Le Premier ministre Payemi Padake-Albert a présidé ce matin une réunion de travail du comité d'organisation de la table ronde de Paris sur le PND 2017-2021 qui se tiendra les 6, 7 et 8 août prochains à Paris en France. Cette séance de travail a vu la présence des membres des différents acteurs impliqués dans l'organisation de ce grand rendez-vous des partenaires techniques et financiers du Tchad. Youssouf Abderrahmane Ali. Cette réunion se tient à quelques jours de la tenue de la table ronde de Paris sur le plan national du développement du Tchad, présidée par le Premier ministre Payemi Padake-Albert. Cette séance de travail regroupe les membres du comité d'organisation et les partenaires techniques et financiers. Il a été question de faire le point sur les avancées en cette phase préparatoire et éventuellement corriger le manquement pour faire de cette table ronde une réussite. La réunion a été également une occasion pour les acteurs de voir dans quelles conditions chacun dans son domaine de compétences pourra convaincre les partenaires pour avoir un appui assez considérable de leur part. Le chef du gouvernement a suivi avec une attention particulière les différents intervenants sur le projet que chaque département ministériel ainsi que d'autres structures de l'État auront à préparer lors de cette table ronde de Paris. Le Premier ministre se dit satisfait des efforts réalisés. Toutefois, Payemi Padake-Albert a donné des instructions susceptibles de corriger les insuffisances notoires. Le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Gueto Tiraina Yambaye, par ailleurs président du comité d'organisation de cette table ronde, reste serein et attend traduire dans les faits les recommandations faites par le chef du gouvernement, Payemi Padake-Albert. Nous avons passé en revue tous les aspects de l'état de préparation. Et je peux vous dire que nous sommes prêts. Le Tchad est plus que prêt dans la préparation de cette table ronde. Et beaucoup de partenaires veulent encore venir participer à la table ronde. Et le défi qui revient au gouvernement, c'est de relever le défi du nombre de participants. Nous serons débordés à Paris. Et je pense que le succès s'annonce à Paris au cours de cette table ronde-là. Cette table ronde sur le PND à Paris, en France, permettra à notre pays de mobiliser les ressources financières, partant accompagner les plus hautes autorités dans leur vision du développement économique.